Yo tout le monde, c'est Link et bienvenue dans ce troisième épisode de Elder Scrolls 1 Arena. Donc j'ai fait des petites recherches pour la suite du jeu, donc je me suis pas spoil la suite du jeu, vous inquiétez pas, mais je suis allé voir comment aller les commandes du jeu. Juste les commandes du jeu, putain la musique qui me détruit toujours les oreilles, et pour vous, ça devrait aller beaucoup mieux niveau musique. Donc j'ai testé, et le truc que j'ai pas, c'est vraiment pas ergonomique ce jeu, parce que déjà pour attaquer, faut faire en mode comme ça, c'est pas très très ergonomique. Mais en plus, parce qu'en faisant clic droit sur la map, on a la map des environs, voilà, il y a le soigneur ici, puis si on va ailleurs, on a d'autres trucs. Et si on fait clic gauche sur le bouton de la map, ou Shift M, regardez ça, on se retrouve avec la map de tout le monde, du monde de bord de ciel de The Elder Scrolls. Voilà. Donc moi je suis à Skyrim parce qu'il est en jaune. Je suis à Skyrim et je suis même à Winterland qui est ici. Alors on reconnaît Blanche Rive, Rive Bois, voilà. Plein de petites villes qui sont à Solitude, qui sont dans Skyrim. Winterhold qui est fort d'hiver. Voilà, donc voilà. Et mon but, comme vous le savez, c'est d'aller, ils m'ont dit d'aller à Hammerfall. Hammerfell, désolé, pour dans le dernier épisode, ils me disaient ouais, ça a l'air d'être à Hammerfell. Donc on va à Hammerfell, et là on va choisir une ville. On va aller peut-être aller dans une petite ville, je pense, à Riverpoint. Allez. Ok. Et donc pour aller à Riverpoint, on le sélectionne, et puis on fait le cheval qui est là. Et hop, on fait une petite course en cheval et on se retrouve à Riverpoint. Voilà. Vous êtes arrivé, nanana. Ok. Et donc je suis arrivé dans le village de Riverpoint. Et on va essayer de voir si quelqu'un peut pas nous dire où est-ce que je dois y aller. Où est-ce que je dois aller? Where is Fangler? Personne n'a entendu parler depuis 500 ans. Putain. Parce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui sache où est Fangler. Ça doit être là, on doit être au pays des Rouges Gardes, je pense. Where is Fangler, toujours. Ça n'existe pas. Ah, MDR. Ça n'existe pas, Fangler. Tu dis de la merde. Donc là, bah, on va refaire, on va reparler aux gens et trouver où c'est Fangler. Mais au moins, par rapport au dernier épisode, on avance. Parce que c'est vrai que le dernier épisode, aucune idée, quelqu'un d'autre le saura peut-être. Parce que c'est vrai que le dernier épisode, l'épisode 2... c'était un peu la catastrophe. Je cherchais vraiment comment faire, comment continuer le jeu et tout, mais c'était tout con. Voilà. Donc comme ça, pour ceux qui n'aient, il paraît que Fangler serait dans les terres sauvages de Hammerfall, mais je vais pas vous en induire en erreur. Mais on est à Hammerfell, merde, enculé. Mais attends, ne me dis pas que sur la carte, il y avait une ville qui s'appelait Fangler. Je préfère quand même regarder, mais... Fangler, ok. Non, 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 mais... Exit, s'il te plaît. Non, exit. Donc, faut trouver quelqu'un d'autre, c'est ça? Faut aller dans... Je sais même pas ce qu'il faut faire. On a enfin changé de région. Maintenant, faut trouver où est Fangler. Ah là là. Avez-vous demandé dans un temple? Ils ont l'air de tout savoir. Ah, et est-ce qu'il y a un temple? Alors, le truc de... C'est au sud-ouest, à l'ouest d'ici, dans mes souvenirs. Enfin, à l'est, east. On va être vers là, le temple. Il me demande. Il m'a dit de demander dans un temple parce qu'ils savent tout. À voir. Bonjour madame, je peux vous parler? Où c'est Fangler? Au pub des... Au pub des... Pourquoi les histoires pleuvent sur une chose qui aurait été découverte dans la province de Hammerfell? Vous devrez peut-être chercher là-bas. Ah, il faut que j'aille au pub. Donc, où c'est l'auberge? C'est comment on dit auberge? On s'en fout, on trouvera nous-mêmes. Comme on l'a trouvé, on trouve les trucs depuis comme dans le dernier épisode.
ville est super grande. Pour une petite bourgade, elle est grande la ville, putain. Mais ils ont dit d'aller dans un pub, donc... on va aller dans un pub. On dit, ouais, dans un pub, ils ont l'air de tout savoir, donc... à voir ce qu'ils ont, s'ils savent tout. Mais maintenant, faut que j'en trouve un pub. Et dans cette ville, ce qui paraît, y a pas l'air d'avoir de pub. Je sais pas qu'il y a pas de pub là-dedans. Ça doit être un temple à droite. J'espère. Si c'est un temple, ça peut... Ah, le pub. Putain, on l'a trouvé. Allez, on rentre. S'il te plaît, on rentre dans le pub. Ouais, ouais, oui. On va voir s'il y a des gens qui savent où est-ce que c'est. Genre, on peut demander au barman. On va demander déjà à elle. Salut, madame. Je peux pas... Ah, si. D'accord, je peux même pas lui parler. Super. Y a pas un barman? Ouais, il y a le barman. Salut, barman. Rumeurs. Général. Vous savez, Zendaz, comment c'est Witch? Ah, je m'en branle. Donc là, ici, on peut rien demander, ok. Faut trouver quelqu'un. Genre lui. Juste savoir où c'est Fangler. Personne peut me le dire. Peut-être elle a l'air de savoir. D'accord, elle veut pas parler avec moi. Et elle a devoir une carrure pour non même pas. Oh. Putain, personne veut me dire où c'est Fangler. On a changé de pays, maintenant faut qu'on trouve Fangler. Fangler. Et ça va être assez difficile. Ah, c'est chiant quand on n'est pas. Que le jeu, bah on n'est pas du tout dirigé et que ouais, on est lancé comme ça dans... Salut, démerde-toi. Trouve Fangler tout seul, démerde-toi. Personne ne peut me dire, c'est dans la... J'aurais dû aller dans une grande ville. Ah ouais, faire ça après, si lui sait pas. Près ou en Ihad. Il paraît qu'un temple se trouve l'emplacement de quelque chose. A trouvé... Qu'un temple a trouvé l'emplacement de quelque chose. Ihad. Ah, putain, on a enfin un truc. Ihad. Est-ce que à Hammerfall il y a un truc qui s'appelle Ihad? Bah c'est ça, c'était juste Riyad, je suis con. C'est juste moi qui sais pas lire. Je pense que ça doit être ça. On va y aller. Vous allez voir tellement la chance que j'ai, ça va être la nuit et je vais me faire attaquer par les monstres. Ah non. Port le plus au sud de la mer folle t'accueille. Oublie tes vices et ton avare entre ces murs nobles. Nous te souhaitons longue vie et prospérité. Ok. Et bah maintenant on va pouvoir demander. Genre toi, t'as l'air de savoir où c'est. Fangler. Ah, les gens ils sont pas cultivés dans cette ville. Est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait un temple qui... Mais je suis à Hammerfell. On est à Hammerfell. Ou alors c'est moi qui me suis complètement trompé de région et qui s'appelle juste à... Que c'est pas du tout la bonne. Ah si, Hammerfell c'est là. On peut pas... Là il y a un truc, c'est un temple. Putain, on a un temple. On a un temple. Est-ce qu'il va pouvoir me dire où c'est Fangler? Non. Ok, super. Mais au moins je vais le noter sur la map, comme ça je sais qu'il y a un temple ici. Ah, voilà. On va le noter direct sur la map. Pa, 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 pa. Temple, voilà. Comme ça on le sait. Et on va pouvoir continuer à faire nos petites recherches. Bah lui il a assez l'air de savoir. C'est un mec du temple. Alors, I bet that some of the stuff recently uncovered in the keep outside the city showed the location of Fangler. I checked the palace when they say very careful through the band of night. Attacking any who left the city. Ah, donc est-ce que je comprends, c'est à la sortie de la cité.
confirmé qu'il y a des gens qui nous attaquent en sortant de la cité. Donc, on va faire un truc. On va sauvegarder tout de suite, parce que je le sens pas trop. Oui, t'as un autre truc à nous dire par rapport à Fangler ou pas? En français, cette fois-ci. Donc, faut que je lève la city, mais que je fasse gaffe. Oh là là. Alors, dis-moi, où sont les city gates? Nord-ouest. Ouais, c'est d'où je viens. Enfin, on va essayer. On va essayer pas comme ça. Et puis, si c'est pas ça, bah tant pis. Et... c'est la sortie, là. Allez, d'accord. Yes, c'est la sortie. Donc, à ce qui paraît, on va se faire détruire. Donc, hop, on sauvegarde. Encore une fois, on prend notre arme. Parce que ça va être important. Voilà. Et on sort de la cité. Et on a peur. Et à ce qui paraît, Fangler... il y a un temple. Il y a des gens qui marchent. C'est des ennemis ou pas? Ça pas... ils ont pas l'air de m'attaquer, mais est-ce que je peux leur parler au moins? Je vais te parler. On peut pas leur parler. On va voir la map. Je peux regarder la map s'il vous plaît. Pour voir s'il y a pas un truc que je peux voir vite fait. La map, je comprends strictement rien à la map. Et je peux même pas leur parler à ces gens. D'accord. Quelle bande de pourris. C'est un temple ça, non? On va essayer. Est-ce que je peux sauter? Est-ce qu'il y a un bouton? Ah oui, il y a un bouton pour sauter. On découvre les... mais je peux même pas sauter la barrière? Ah d'accord. Ah si, je suis de l'autre côté, c'est bon. Et là, il y a un truc. Ah ok. C'est que c'est fermé. Ah mais attends, je transperce ces trucs. Ah oui d'accord, la barrière sert à rien. Alors pff, moi qui est en train de me casser le cul à sauter alors qu'on transperce, tout va bien. Ah ouais, je veux des gens qui m'aident, qui me disent où c'est les trucs, parce que là, je suis paumé. S'il vous plaît, vous pouvez pas me dire où est Fangler? Genre toi là, toi en bikini qui marche. On va faire un truc, on va faire comme ça. Et on va se retourner. Et elle arrivera vers moi. Non, je veux pas ça, je m'en fous de quitter. Oh, il vient de tuer un... et dis-moi où c'est Fangler. Mais je le sais que c'est dans les terres. Oh, mais bande de... pourquoi il m'a mis la map? J'ai pas compris. Il m'a activé la map, j'ai pas compris. Et toi, tu serais où, où est Fangler ou pas? Ah, il veut pas pareil. Oh là là, mais Fangler, mais comment tu veux trouver Fangler, toi? On va aller vers l'ouest. Ça va qu'il fait pas nuit et que il n'y a pas des monstres, parce que la nuit il y a des monstres. On a pu le voir. Oh, il y a des trucs ici. Oh, peut-être trouver Fangler. Il y a des ruines. Les ruines de Fangler ou pas? Il y a une ville là, non c'est pas une ville ça. Oh là là. Je découvre des trucs, moi. Un mur. Ok. C'est un mur. On est encore perdu. Deuxième fois qu'on est perdu, on avance un tout petit peu. Si on fait ça chaque épisode, on avance un tout petit peu comme ça. Vous savez quoi? On va retourner à Riyad. Qu'est-ce que vous dites si on va dans le temple, enfin dans le château de Riyad, s'il y en a un, on peut essayer de trouver le château. Peut-être que la reine ou le roi de cette ville sait où se trouve le truc, peut-être. Je dis ça se trouve c'est un vrai follow-up, elle va me renvoyer barré en disant « Ouais, j'ai du travail donc ta gueule !» Donc à voir. Mais je sais pas du tout où c'est, on va marcher un peu au hasard et puis on trouvera. On a l'habitude de marcher au hasard et de tomber sur des trucs. Et vraiment, on a l'habitude. Regardez, on tombe sur une porte. Ah non, j'ai rien dit.
C'est le forgeron, ok, on a trouvé le forgeron. Je vais le noter sur la map, ça peut toujours servir si un jour j'en ai besoin. Je vais écrire juste forge. Mais le château, je sais pas du tout où il est le château. J'ai demandé à quelqu'un. Hé, toi là-bas, là. Là-bas. Viens ici. J'ai besoin de te parler, toi, toi, toi. Putain. J'ai besoin de vous parler, les gens. Arrêtez de bouger, j'ai besoin de vous parler. Regardez, les mecs, ils bougent trop. Et toi, je peux te parler ou tu continues à bouger? Voilà. Where is the castle? Le palace. Sud d'ici, j'en suis sûr. Ok, sud. Et sud activé. Hop là, c'est par là-bas. Il a dit qu'il était sûr, donc je lui fais confiance. Ils connaissent mieux la ville que moi quand même, les mecs. Oh, on passe. Ça va être ça à gauche, là. Non? La map, qu'est-ce qu'elle me dit, la map? Allez, la map! Je sais rien, je comprends rien à la map. Allez, on va continuer vers le sud et puis on trouvera peut-être un truc, on tombera sur un truc. Qui sait? On demandera à quelqu'un si on arrive à quelqu'un, on pourra demander à quelqu'un. Genre à cette personne qui veut pas me parler. Il y avait un. Toi là. Où est le temple? Ah, le palace. Sans hésitation, Kremen, je vous demande votre. Ah, il m'a indiqué sur ma carte la position exacte. Donc c'est vers, je sais pas où. Ah, Palace. Et ben maintenant je sais où c'est. Il faut que j'aille vers. Bah quand je continue. Là-bas. C'est quoi ça? Statue, putain, c'est moche. Non, c'est un peu ça, c'est stylé. J'ai rien dit, ça, c'est stylé. Et le palace, il est là. Voici au palace, nous voici dans le palace. Ta ta ta. Bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Bonjour. Welcome to Riyadh, Link. I'm a queen. Manana, I'm going to tell you Fangler. Oh! Je suis heureuse et je accepte de te parler de Fangler. Mais pour une faveur. Tu vois? Not too long ago. Il n'y a pas très longtemps, une bande de gobelins. Les filles, Goldag, The Dark Attack, Kids, Stronghold. A attaqué le Stronghold, The Kaway, The Match, including Parchment, Reverend, The Great Include, The Capitator, The Part of the Elder Scrolls, Switch Book of the Fakation, Goldag and his Goblin, Fell, The Great Fortress called Stone Keep, Outside the City. I fear that a forge band of mercenaries, of soldiers, will be unable to find them. A single person. Alors là, il me dit qu'il y a des gobelins et tout, là, qu'il faut que j'aille à Dunkeep pour aller récupérer les Elder Scrolls. Donc, voilà. Alors, ouais, on a un match, on se fait des raps, on arrive à le faire dans The Wind. Voilà, je vous laisse plus traduire que moi parce que là. Ah, et elle me dit qu'en récompense à ça, elle me donnerait la position de ce que je cherche. Est-ce que j'accepte? Oui. Excellent. Skipper à lire. Ok. Je dois aller à Stonekeeper. Et donc c'est parti, on va à Stonekeeper. Je sais pas du tout où c'est, on retrouvera peut-être qui c'est. Ah voilà, dégage, on sort de ce palace. Et bah j'ai bien fait d'aller dans le palace, putain. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce petit truc à me dire, tiens, et si on allait au palace? Ouais, c'est vrai que quand j'arrivais à Riyadh et qu'on m'a dit, ouais. Fangler, c'est rien et tout, pourquoi je suis pas direct allé au palais? Alors, est-ce que j'ai une quête dans mon journal? Ah oui! Faut que j'aille. Et il m'a marqué Stonekeeper sur ma carte. Ok, c'est cool. On va faire une petite sauvegarde parce que j'ai pas envie de tout perdre alors que je savais que tout ce que j'ai fait. Hop, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir, putain.
On avance, on avance. On est bloqué longtemps, mais on avance quand même. On ne fait pas. On a fait d'un petit avancement. Mais c'est cool. C'est cool. Pour tout vous dire, j'avais vraiment peur d'être perdu comme dans le dernier épisode, dans l'épisode 2. J'avais vraiment peur d'être. Ah, il faut que j'aille vers le sud-ouest et non pas le nord pour la sortie. En tout cas, je vais pas du tout vers le. Ah, si, je vais vers la sortie. La sortie est vers là. Donc, si, c'est bien. C'est bien qu'on aille vers là-bas. Parce que c'est vers le nord-ouest et non pas le nord et pas le sud-ouest. C'est juste moi qui suis un peu con. Donc, Stonekeeper, j'espère qu'on trouvera où c'est. On va enlever nos armes parce que j'ai peur de s'en faire exprès couper la tête à un habitant. Voilà. Ce serait vraiment con que le mec arrive et pff, adieu l'habitant. Après il a la ville sur le dos et ça sera la merde et j'ai pas envie de ça. Donc voilà. On y arrive à la fin de la ville ou toujours pas? Ah putain. Toujours pas. La ville est super grande putain. Quand je vais devoir retourner au palais, je vais devoir me retaper tout ça. Bon, on voit le mur, on commence à voir le mur donc c'est cool. C'est-à-dire qu'on y arrive. Devant le mur, où est la sortie? À droite ou à gauche? Elle est bien à gauche. Non, je veux pas écrire, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne veux pas écrire. Voilà, merci. Donc, il y avait un soigneur juste à droite ici, c'est cool. Alors, on le sait qu'à la droite de l'entrée de la ville, on a un soigneur. Ça, c'est cool à savoir. Ok, on arrive. Je sais pas du tout quelle heure il est. Je sais pas si ça va être la nuit bientôt ou pas. Mais. Merde, c'est pas ça que je veux. Je veux la carte pour voir si on commence à voir Stonekeeper. Et bah, on va continuer tout droit. On va voir s'il y a quelqu'un qui connaît Stonekeeper, genre lui. Where is Stonekeeper? Si on peut lui demander. On ne peut pas. On ne peut pas lui demander où c'est Stonekeeper. Ok, 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 bah c'est pas grave. On va avancer. Mais je pense que c'était à l'endroit où il y avait les rochers. Ça doit être ça, Stonekeeper, je pense. C'était l'endroit où il y avait les rochers, je pense, qu'on avait vu au début de cet épisode. Enfin, au début. Un peu avant, il y a 10 minutes à peu près dans cet épisode. Donc, ça doit être là-bas. Mais j'aime beaucoup les musiques du jeu, putain. Elles sont magnifiques. Je sais plus où j'étais parti. Ah, il y a un point rouge. Parce que ça, c'est moi. Donc, le point rouge, ça doit être Stonekeeper. Donc, faut que j'aille vers la droite. Genre là, je dois me diriger vers Stonekeeper. Et je me tape des cactus. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on se dirige vers là? Oui, 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 on se dirige. Putain, on avance dans le jeu. Je suis bloqué par quoi? Et voilà, Stonekeeper. Et c'est ça. Ok, ceci est Stonekeeper. Il y a une table avec du sang. Et là, l'entrée, c'est là. L'entrée de Stonekeeper. Et vous savez quoi? Vu que je suis un bâtard. Oh putain, ça va être la merde ce truc. Ça va être la merde, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est ici qu'on va se quitter, voilà. Donc, on avance, on avance, on avance. On fera le premier donjon dans le prochain épisode. On fera que le donjon, parce que ça se trouve, il risque d'être long, j'en sais rien. Mais pour le quatrième épisode, on se fait Stonekeeper. Donc voilà, enfin, on avance dans ce jeu, on avance. Ça, c'est cool, putain. C'est vraiment cool qu'on avance, parce que... J'aime pas rester bloqué pendant des heures et des heures comme ça dans à tourner en rond comme on l'a fait dans le deuxième épisode. Et voir qu'il y a des boutons que je n'avais pas, genre que droit sur la carte, ça donne toute la carte de la région et non pas de l'endroit où on est. Putain, c'est cool. Ça a permis de faire avancer. Donc après, j'ai fait aussi sur tous les icônes les mouvements. Mais ça fait exactement pareil que tu fasses clic droit, clic gauche. Ça aussi, après, il n'y a pas grand... Il n'y a pas grand changement, il n'y a que la carte qui change. Ouais, ok, on peut même pas l'utiliser. Mais voilà, après le reste, c'est tranquille. Donc voilà, c'était Link. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce troisième épisode de comment ça s'appelle, de The Elder Scrolls Arena. C'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.